Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième émission de Flash Ado. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tout nouveau parc au Japon, le parc Ghibli. Pour en parler, je suis une fois encore avec Erin. Bonjour. Et Jeanne. Bonjour. Erin, j'ai entendu que dans ce parc, on peut croiser des chats géants. Eh bien oui, dans ce parc, on peut croiser des peluches géantes représentant Totoro et ses amis. Par exemple, le chat-bus que l'on voit dans le film, intitulé « Mon voisin Totoro ». Waouh, ce bus a l'air tout doux! Ouais, mieux qu'un doudou. Et on peut même y voir la maison des deux sœurs. Il y a aussi une immense statue de Totoro. Mais dis-nous, Jeanne, d'où vient cette idée de parc? C'est une réplique de la maison des deux sœurs du film « Mon voisin Totoro » créé en 2005 qui inspire ce fameux parc. C'est le tout premier parc à thème consacré à l'univers du studio Ghibli. Par contre, si vous voulez accéder au parc, prenez-y vous au moins 6 mois à l'avance. Sinon, il vous sera difficile de rencontrer le grand Totoro. Wow, les images en valent la peine. Mais Erin, qu'est-ce qu'on peut y faire? Pour les amateurs de sensations fortes, vous ne trouverez pas de grand 8, mais quand même quelques petites attractions sympathiques, comme le train qu'on voit dans le voyage de Chihiro. Mais le but est surtout de se promener calmement, comme dans la zone forêt, pour trouver des statues de Totoro et d'autres secrets incroyables. Car c'est un parc qui souhaite respecter l'environnement, donc sans manège ni véhicule. Que peut-on y voir d'autre, Jeanne? Il y a aussi le grand entrepôt où on peut voir plein d'objets qui reproduisent ceux des dessins animés. Comme par exemple une réplique de 6 mètres de long du vaisseau volant vu dans le château dans le ciel. Et il y a aussi une salle de cinéma, une salle de jeux et plein de boutiques. Quoi d'autre encore, Erin? Il y a le géant de fer du film Laputa. Il est coincé dans des énormes racines qui sont comme celles de l'arbre central du film. Dans l'histoire, il s'agit de robots d'autrefois qui étaient très avancés techniquement et très intelligents, mais qui aujourd'hui sont inanimés et perdus dans la nature. Waouh, ça a l'air vraiment fabuleux! Oui, il y a 5000 visiteurs par jour et en 2023, le parc espère en accueillir en tout 1,8 million. Les touristes étrangers ne pouvaient plus aller au Japon jusqu'en octobre dernier à cause de la Covid-19. Mais maintenant, on peut y aller à nouveau. Donc, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à réserver pour aller vite visiter ce parc super original. Et voilà, l'émission est terminée. Mais attends, on a oublié quelque chose. C'est l'anniversaire d'Erin. Ah oui, t'as raison, mon anniversaire. Et voilà. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ah, stop. Mode survie activé. Oh. Et voilà, l'émission est terminée et cet anniversaire aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de... liker, commenter, et à vous abonner, et activer la cloche. Bye.